taxi! Rien de musique, ce sont des vibrations dans un corps qui s'agit, ça donne de l'émotion et ça sonne vraiment bon. On va courir un peu, ça irait prendre un arbre, ça vaut mieux que des pneus. T'as vu un peu là-bas les yeux des amoureux, ils saisissent leur moment d'extase. Et comment. Le Liban, quand je me lève tous les matins, je me sens bien. C'est pour moi la plus belle façon de me dire que je me sens chez moi. La première chose qui m'a amené au Liban, c'est une société française qui a une franchise au Liban ici, qui m'a demandé tout simplement de venir diriger des salons français. Ma première impression, je crois que j'ai apprécié tout dans l'ensemble. Il n'y a pas eu quelque chose qui m'a gêné ou quoi que ce soit. Je crois que si les chars de l'armée, qui étaient un petit peu positionnés partout, moi, ça m'a fait un petit peu drôle au départ. Mais j'ai été très rapide pour m'adapter au pays, parce que pendant 2 ans, je n'ai pas quitté le Liban en fait. Moi je suis très fier de dire que j'habite le Liban, parce que je sais que ça choque les gens. Au restaurant à Paris, c'était... on était à table avec mon père et des personnes du travail avec lui. Ils m'ont dit « Yann, toi tu fais quoi ?» Je dis « Moi j'habite au Liban, je suis coiffeur. » Mais Yann, mais t'es fou. Mais ça va pas ou quoi la tête? Mais qu'est-ce qui t'arrive d'habiter là-bas? J'ai dit, il n'y a rien de spécial. La vie est très belle, il fait 9 mois de soleil par an. Les gens sont adorables. J'essaie d'expliquer ce que le Liban représente, tout simplement, pour les gens qui ne le connaissent pas. Je suis arrivé en 99 au Liban. La première chose qui m'a attaché au Liban, c'est le travail, parce que je suis arrivé pour le travail. Donc, j'ai dirigé un salon français pendant 7 ans, un groupe français au Liban. En juillet 2006, j'ai quitté la société pour laquelle je travaillais. En novembre 2006, avec une autre personne, on s'est mis en collaboration. On a ouvert un salon à Azmié qui s'appelait Vive à la vie, puisque la marque Vive à la vie est une marque qui appartient à ma famille en France. Et depuis septembre 2008 maintenant, on a ouvert ici un salon à Achrafieh, avec spa, salle de sport, mais je ne travaille, c'est pas moi, hein, ça appartient à un groupe beaucoup plus important que moi. La plus grande difficulté que j'ai eue, ça a été de conjuguer le travail en tant que Français ici avec ma mentalité et mon savoir-faire et de le mélanger avec des personnes libanaises avec leur mentalité et leur savoir-faire. Ça fait 6 ans et demi. Le حلو مع يان انه انا جيت برا وجيت لهون على لبنان تعرفت على يان واشتغلنا سوا حسيته اول شيء لفتني فيه انه انسان كثير ناتورال يعني كثير طبيعي بحس حالك فيك تعطي انت شو اللي عندك يا تعطيه لانه هو زلمه منه مثل ما بتشوف مثل ما لبسه مثل ما حياته يعني بتحسه كثير طبيعي الزلمه فيك تشتغل يعني تقدر تعطي اللي انت حابب تعطيه اول شيء تعرفت عليه باول صالون كان يشتغل فيه من وقتها لحقته بكل الصالونات اللي اشتغل فيها توصلنا لهون. لو بروبليم دي كوافير اجمالا انه انا بفهم وانت ما بتفهمي، انا بعرف احسن منك شو بدي. دونك يان ا فريمون سوفي سو كو جو فولي، اي سي كوم سا كو جي بريفيري الي شي لو. تو با با كوتي ترو؟ نو.
Pas du tout. Je vais pointer tout l'ensemble et on va revoir pour la frange après. C'est tout. Sinon, le reste, je ne veux pas y toucher presque parce qu'ils sont. J'aime beaucoup. Hein. Mais en même temps, ça pas très grave, si. Ça, non. Ah oui, ils vont récupérer. Ce sont les pointes, là, tu vas voir. Quand on va couper les pointes, déjà, tu vas sentir la différence. Je suis français, donc mon style de coiffure et mon style de travail n'est pas spécialement pur libanais. Je suis plus dans le côté européen de la coiffure, même si je travaille avec du personnel libanais qui travaille très très bien tout ce qui est mode libanaise ou mode étrangère avec moi. Je suis plus la mode et tout ce qui se passe à l'étranger que ce qui se passe au Liban réellement. Un Français qui vient au Liban, où il a des grosses capacités et il montre qu'il peut faire apporter un plus au Libanais dans le travail, ou au contraire, le Libanais va lui montrer qu'il n'a aucun intérêt d'être là. Et ils vont le faire savoir et ils vont te le faire sentir. Donc il faut vraiment travailler très dur pour que ça se passe bien. J'ai une idée très précise des coupables. Ce ne peut être que les disciples. Dans l'après-midi, leurs traces avaient été retrouvées dans une ferme, non loin de Jérusalem. Je quittais le palais. Arrivé sur les lieux, mes hommes arrêtèrent les disciples, qui tremblaient comme des sauterelles. Approche ! Le théâtre, ça a commencé, Madame Naila Shahin. Elle m'a demandé un matin, en lui coupant les cheveux, si ça m'intéressait de faire du théâtre. Je lui ai dit pourquoi pas avec plaisir, parce que je voulais faire ça depuis longtemps. Elle a contacté Alain Plisson. Alain Plisson m'a téléphoné le jour même. Et il m'a dit, Yann, il faut que je te rencontre, j'ai un rôle pour toi. Yann est arrivé dans ce milieu du théâtre sans aucune expérience théâtrale, sans avoir suivi des cours de diction, de maintien ou d'interprétation. Il est arrivé comme ça, à l'état brut. Et j'ai découvert que ce garçon qui venait avec moi simplement qu'avec l'envie de faire du théâtre, sentait instinctivement, s'il n'avait pas les notions de base qu'il faut pour un acteur, il sentait instinctivement ce que je voulais. As-tu faim ? Crois-tu que je serais venu sans cela, hein? Que l'on m'apporte les plats. La raison pour laquelle j'ai fait du théâtre, je pense, parce que le Liban est un petit pays, d'une part. On a l'impression que c'est un village, parfois, le Liban. C'est très petit. Même quand tu veux passer inaperçu, tout le monde te connaît. Et en France, si je devais faire ça, c'est impossible. Il faut rentrer dans des systèmes très spécifiques pour faire ça. Le Liban est tellement petit que ça va très vite, ça va très vite. Je trouve que d'abord, c'est beaucoup de courage pour un étranger comme Yann de venir dans un pays comme le Liban. Il a commencé une vie au Liban facile. Et je crois qu'au fur et à mesure, il a découvert toutes les difficultés de la vie au Liban. Et il est resté. Ça, j'admire Yann parce que je crois qu'il aime beaucoup le Liban, qu'il aime beaucoup le pays et que à partir du moment où il aime tellement ce pays, il en accepte aussi bien les bons que les mauvais côtés. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Nous allons continuer l'interview exclusive que nous avions commencé il y a quelque temps de cela avec Yann, le peintre, l'acteur, le coiffeur. Donc, nous allons lui poser quelques questions, quelques impressions sur le Liban. Donc, sans plus attendre, la première question. Qu'est-ce qui vous déplaît le plus au Liban? Vous nous avez parlé d'un village. Qu'est-ce que cela veut dire pour vous exactement, un village?
Non, ce qui peut être gênant parfois au Liban, c'est le côté où on manque d'intimité. C'est le côté village. C'est-à-dire qu'on se sent en permanence, tu sais que tu risques de rencontrer quelqu'un que tu connais. Tu n'as pas ce côté d'intimité, quel que soit le lieu au Liban. Ça peut être gênant, ça peut être dérangeant. Ça a ses avantages et ses défauts. Lorsque vous partez pour un séjour de courte durée en France, qu'est-ce que vous racontez à vos proches, à vos amis, concernant le pays des cèdres, le Liban ? Comment vous en parlez ? Ma famille, c'est simple, parce qu'ils connaissent mon parcours depuis 10 ans au Liban, donc je raconte la vie de tous les jours. Par contre, les personnes qui ne connaissent pas le Liban, la première chose que je dis, c'est souvent, à travers les images qu'ils ont eues du Liban, ils n'ont pas vu les beaux côtés de ce pays-là, alors qu'en fait, c'est un pays avec soleil, mer, montagne, le calme, contrairement aux images que l'on peut voir dans les télévisions. L'esprit de vie qu'il peut y avoir dans ce pays, que ce soit le côté fête, côté repas, côté vie de tous les jours. C'est un pays que je décris comme un des plus beaux pays dans lequel j'ai été jusqu'à présent. Très bien, nous allons continuer la séquence suivante. Yann va nous décrire en quelques temps toutes ses impressions et ses atouts sur le Liban. À tout de suite. Liban, c'est un mélange de liberté et de manque de liberté. C'est un pays qui, si quelqu'un veut dire j'ai un tel problème et tel souci et telle chose, il a des restrictions à pouvoir le dire parce que la politique ou le pays par lui-même interdit certaines choses. Donc il y a un tabou sur certaines choses qui est très marrante. Parce que d'un côté, il ne faut pas montrer beaucoup de choses et d'un autre côté, le Liban, dans des choses cachées, vit beaucoup plus gravement qu'on peut faire en France. Il y a un tabou très spécifique sur certaines choses dans le côté intime d'une relation. Pour la peinture, je pense que je peins depuis que j'ai l'âge de 8 ou 9 ans. Au Liban, j'ai peint, je crois, dès le 5e jour en arrivant au Liban. C'est un moyen pour moi de m'évader complètement, la peinture. Je suis très plage, moi, donc j'aime tout ce qui est en bordure de mer en général. Je ne parle pas des restaurants ou autres dans Beyrouth, mais je parle en général, c'est tout ce qui est en bordure de mer. Ceux qui ne connaissent pas, c'est à Batroun. Derrière les anciens murs phéniciens, il y a un restaurant qui est entièrement en bois, donc très simple. Et Maggie est une dame qui habite dans son restaurant. Donc chaque fois que je mange là-bas, je mange des choses différentes et très fraîches. Et Maggie est une femme réellement exceptionnelle. Parmi toutes les activités dont on a pu parler, il y a voir les orphelins de Zelaya dans le foyer de Joyce Jemayel, qui est une activité qui me tient énormément à cœur. Cela fait plus de maintenant 3 ans que je fais ça. Donc sur ces 3 ans, je leur ai coupé les cheveux presque tous les dimanches, faire du théâtre, faire des activités musicales, football, enfin tout ce qu'on peut faire avec des enfants. Bien, ici on est arrivé à Basta, qui est un quartier où vous allez voir en fur et à mesure de la visite que c'est rempli de meubles, d'ancienneté. C'est ce que j'appelle moi la foire fouille ici, c'est-à-dire que vous pouvez passer une journée entière à chercher des tout petits objets qui deviennent rares maintenant ou qui sont interdits dans différents pays. Et vous pouvez trouver tout ce qui fait un appartement qui sort un petit peu de l'ordinaire, avec des meubles anciens, avec des objets des années 60, 70 et même encore plus vieux que ça. Au départ, je n'écoute pas la musique libanaise puisque je ne comprends pas toujours ce qui se raconte. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'écoute de la musique libanaise, ça parle d'amour, de tenir la main, du soleil, de la plage. J'ai découvert Fayrouz il y a 3 mois, on m'a donné un CD pour me faire écouter. J'ai beaucoup, beaucoup aimé Fayrouz. <t'->
عن أهلي حكاية عن بيتي حكاية عن جار الطفولة حكاية طويلة Allô. Salut, c'est Yann, comment vas-tu? Je te dérange pas, j'espère. Dis-moi, tu aurais s'il te plaît le numéro de, du docteur qui est sur Ashrafieh à... Salut Hélène, comment vas-tu? Bien. Dis-moi Hélène, je cherche l'adresse de l'hôtel à Ahmad Talef Wardé Sangari. Oui, bonjour. En démoche, allô. Est-ce que Hélène est là? Comment vas-tu? Dis-moi, tu veux toujours... Yann. Conduire au Liban, ça m'a pris exactement une demi-journée. Pour moi, quand je suis arrivé au Liban, de suite, je voulais une voiture, conduire très rapidement pour m'habituer au rythme un petit peu de la conduite au Liban. Et je me suis aperçu que c'est comme une PlayStation. C'est-à-dire que je peux doubler à droite, je peux doubler à gauche, j'ai pas d'obligation de ceinture. L'essence interdite, je ne sais pas pourquoi on a mis ça au Liban, parce qu'en fait, tout le monde les prend. Les feux rouges, oranges et verts sont très jolis, mais on ne les utilise pas souvent. Et ça me plaît, pour être honnête, ça me plaît beaucoup. Cette façon de conduire me correspond tout à fait. Même si parfois c'est très dangereux et qu'il faut faire deux fois plus attention au volant, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Mais j'espère pour le Liban qu'un jour ça changera quand même. Parce que c'est pas normal de pouvoir avoir autant de liberté en conduisant. Alors, si je devais parler des Libanais dans leur ensemble et la mentalité générale au Liban, il y a des points très positifs chez les Libanais et des points un peu plus négatifs. La mentalité au Liban, ce que j'en pense en général, je crois qu'il y a les extrêmes dans ce pays. Comme tout le pays entier au Liban, qui est un pays rempli d'extrémités à tout point de vue, le Libanais ou la Libanaise, c'est une mentalité dans l'ensemble, à part les exceptions, où il y a vraiment des extrêmes. Il y a des gens exceptionnels à rencontrer, et très rares. Et à côté de ça, il y a des gens, si je les mets dans un sac et je remue le sac, j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu tous pareils. Il y a vraiment les extrêmes. Et le côté superficiel au Liban est quelque chose qui me dérange un petit peu personnellement. Le show-off au Liban est quelque chose de très important. Ça, c'est les extrêmes du Liban. À côté de ça, tu vas dans des quartiers très simples du Liban, tu as des gens qui sont... où l'argent n'est pas obligatoirement la base de quelque chose. يان تعرفت أول شيء عليه بالمسرحية تبع ديك السنة مع أنا بليسون. يان كتير exuberant, كتير easy going, كتير شخص كتير يعني سوسيال, بتحسه دغري بتستلطفه ودغري بترتاح معه بتحكي معه. أنا بحس إذا إجا على لبنان هو لأنه طبعه هيك, لأنه طبعه بينتمي أكثر للسوسايتي هنا. Super bon. ما بحس انه حتى بيفكر يترك البلد صراحه. و من ناحيه ثانيه انه شغله ليش كثير منيح, it's going great. Depuis longtemps ça marche très bien. He's got his loyal customers. كل كليانتيل تبعته كثير فيدل له. He's got his friends here, عنده اصحابه والجروب تبعه في لبنان, يعني ما بحس في شيء ناقصه, بتخيل يعني. Je me sens chez moi au Liban tout simplement parce que lorsque je rentre en France aujourd'hui,
Je n'ai plus aucun repère. Je me sens touriste en France. Je y vais pour ma famille, j'y vais pour tout ce que ça représente, mais au bout de 3-4 jours, quand j'ai commencé à faire le tour de ma famille, je m'ennuie très vite en France, parce que je n'ai plus de repères. Je ne sais plus du tout qu'est-ce que je pourrais faire à l'intérieur. Le Liban, quand je me lève tous les matins, je me sens bien. C'est pour moi la plus belle façon de me dire que je me sens chez moi. Le jour où je me sentirai plus bien du tout en me levant le matin, c'est qu'il y aura un problème. Mais ce n'est pas le cas du tout. Il y a eu un 14 mars au Liban, je crois, où je suis descendu dans la rue avec tous les gens. Le salon a fermé par obligation. J'avais un t-shirt avec les couleurs libanaises. J'ai adoré ce moment-là. Je l'ai adoré au Liban. C'est-à-dire que ça m'a énormément touché. J'ai eu un sentiment de bien-être que je n'avais jamais eu en France une seule fois. Le Liban, il y a une âme. Marcher le matin à 7h30, se promener et voir les gens se lever, je sais pas, il y a quelque chose qui me plaît énormément dans le Liban. Je ne sais pas si c'est le soleil, si c'est la mer, si c'est la mentalité, je ne sais pas. Mais il y a une âme à l'intérieur, quelque chose qui moi, me touche intérieurement. Le Liban m'a donné beaucoup de confiance en moi. C'est un pays qui n'est pas toujours facile avec moi. Je me suis beaucoup battu et je me bats encore pour avoir une place au soleil, entre parenthèses, pour arriver à, à sortir de la masse un petit peu et à travailler très dur pour que ça se passe bien. Donc c'est un pays qui m'apporte, à chaque jour où je me lève, je sais que c'est un défi à chaque fois. Donc c'est un pays qui m'apporte beaucoup de force et de maturité, je pense, dans le travail et dans la vie de tous les jours.